Lol. Mais ils se prennent pour qui, hein? Enfin, Mewtwo utilise enfin Offar. Super efficace, non, mais je le sais déjà. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que bonjour tout le monde, c'est Madbob pour une nouvelle vidéo sur Super Smash Bros. Et tout simplement, on va aller sur du en ligne. J'ai envie de tester un peu le Folklore. Je parle tellement anglais, hein, c'est fou. Le Folklore, tout simplement. J'essaie de trouver le nom en français, je le trouve pas. Pour la gloire, voilà, c'est exactement, je pense, un truc comme ça. Je sais pas trop. Bref, on va se lancer là-dedans. Peut-être je vais me faire complètement défoncer. J'en ai rien à chier, juste envie de tester. C'est quelque chose que ça vous rend plaisir de voir. Voilà, c'est pour la gloire. Exactement. Donc on va aller en 1 contre 1. Oui, parce que on est des mecs badass. Et le 1 contre 1, c'est la vie. C'est le truc le plus OP de la mort qui tue. Bref, on va se lancer là-dedans. Peut-être que, comme je vous dis, je vais être hyper nul à chier. Ça va être des petites séquences d'environ, je sais pas trop combien de temps. Là, je me rends contre Soul Bro. Soul Bro. Et là, je vais prendre un perso genre très 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 dur à jouer. On va y aller avec un petit truc classique des familles. Avec un petit Link des familles. Comme ça, tout est bien qui finira bien. On se cassera pas la tête. On va essayer de sortir des skills. Tout ça. Et ça se peut que je commente pas trop parce que je vais peut-être rester des fois concentré, tout dépendant de l'adversaire en face de moi. Bon, c'est ça la grande question que je me pose la plupart du temps, c'est est-ce que le mec est fort ou est-ce qu'il l'est pas? Donc c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois, hein, parce qu'on se dit à chaque fois qu'on fait des fois un peu de la merde. Mais bon, on va essayer de se concentrer un peu. Premier combat en Folklore. Folklore. C'est tellement sympathique. Bon, ok, le mec qui fait le genre les esquives, qui fait les combos à l'âme. Ok, le mec il va se calmer direct. Il y a des oufs dans ce monde, hein. Quand tu vois par exemple des fois comment les gens ils se combattent, tu te dis que c'est pas le genre de. Ouais, ok, le mec c'est une espèce de mec défoncé de la mort qui tue, hein. Ouais, ok, le mec c'est un défoncé de la vie, hein. Je pense que je vais tellement m'énerver dans ce genre de série que je vais faire comme. Ok, les mecs c'est des espèces de oufs. Qui font genre toutes les combos, ouais, ok, les gens qui spamment les combos, quoi, ouais, ok, il va se calmer direct. Directly to you, comme on dirait si bien Iwata, Iwata Shiwata, bon, ok. C'est bon, j'ai compris. Les gens, c'est des oufs. Bon, je vais tout de suite quitter, parce que ça, c'est un ouf. C'est ça, qu'est-ce qu'il fout? Il devrait avoir un système de classement. De classement que, par exemple, les gens qui sont plus forts jouent contre des gens plus forts et les gens qui sont plus faibles jouent contre des gens plus faibles. Ça serait tellement plus sympa que là, t'es juste en train de te faire éclater la gueule pour aucune raison. Par des gens qui font juste ça de leur vie, jouer à Smash. C'est ça le truc qui m'énerve de Smash et c'est pour ça que j'aime mieux jouer avec mes potes. C'est que c'est mieux. Tu te fais pas défoncer par des gens qui font juste jouer à ça, qui ne vont pas à l'école et qui font rien d'autre de leur vie. C'est triste quand même quand tu y penses. Bref. On va y aller avec un perso. Pas trop, on va prendre Fox. Non, on va prendre Falco. J'ai envie de jouer Falco. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais me faire encore plus défoncer. Qui sait? Qui sait-on jamais, hein? Il peut arriver bien des choses dans ce monde. Mais bon, allons voir. Et là, les gens vont pas pouvoir dire: ouais, Madbap, t'es trop nul au jeu vidéo. Tu t'es fait défoncer par un mec. Ok, bon, il joue la distance. Il veut faire: oh lol, viens sur le rebord. Tu vas te faire grab. Ça va être super sympa de la mort qui tue. Ok, tu m'as saoulé vraiment en jouant en partant. Hein. Je crois qu'il va jouer super avec le bloc, hein. C'est sûr et certain. En plus, le mec, c'est fuck off, quoi. Le nom du mec. Mais tu veux que je fasse quoi? Ouais, t'es. Sérieusement, mais c'est quoi ce troll? C'est quoi ce troll? Non, mais c'est quoi ce troll? Yep. Ouais, vraiment, pour la gloire, c'est vraiment cool. Vraiment, j'adore. C'est waouh. Vraiment, c'est waouh. C'est beau du online, non? Il est vraiment encore là? Bon, mais je vais quitter parce que j'ai pas envie de me rebattre encore contre lui et de perdre mon temps. C'est un peu débile. Bref. C'est waouh. Bon, on a trouvé un mec qui joue toute sa vie, on a trouvé un mec qui s'en bat complètement les couilles. Mais là, c'est quoi qu'on va se battre? On va se battre contre un handicapé. Il s'appelle Titi. Bon, déjà, en partant, le nom m'inspire tellement pas confiance. Voyez avec Mario, j'ai envie de tester. Non, je dis pas tester, parce que je prends quand même des persos que je maîtrise un peu. Peut-être pas comme un ouf, comme l'autre mec, l'autre Mario, mais bon, quand même. On va essayer de faire peut-être des trucs pas trop mal, hein, quand même. On va essayer! Et je comprends tellement pas la logique des gens dans ce genre de jeu.
C'est fou quand même que tu trouves des mecs genre hyper forts et après tu trouves des mecs genre hyper... Je dirais pas nul, nul c'est un peu méchant. Hein. C'est nul, on peut dire nul. Et c'est pas vraiment nul. Ok, je pensais que je l'aurais eu, ça aurait été un peu rigolo. Donc on va essayer de se concentrer un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, mais ça... Je sais même pas en plus moi qu'est-ce que je fais en ce moment. Surtout quand en ce moment je suis en train de tester... Merde, je suis en train de tester mes contrôles du style que... Oh non, je pensais que je l'avais... Merde. Non mais je suis en train de tester mes contrôles parce que j'ai décidé de mettre sur... Non, je pensais que je l'avais. Merde. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que je joue avec la Pro Controller. Ça aurait été drôle qu'il vienne par moi et que je l'aurais eu. Mais bon... Tout ça pour dire que je teste des contrôles, par exemple j'ai le bouclier avec le L et le grab avec le... Avec le R tout simplement, voilà. Donc j'essaie de m'habituer un peu, parce que je trouve ça beaucoup plus simple, c'est comme la, en gros la version... Ah merde, là je me suis fait avoir comme un noob. Noob, je suis fou de toi. Et là, vraiment, je vais pas dire que je suis un pro, parce que je suis quand même en train de me faire battre un peu, mais bon. C'est quand même pas un adversaire si fort en ce moment. J'ai vraiment envie des adversaires beaucoup plus forts que ça. Parce qu'il utilise vraiment pas le grab à ce que je vois. Et vraiment, je me fais avoir comme un con, sérieusement. Oh là, j'ai été chanceux de le toucher. En même temps, je sais même pas si c'était là. Chance. Je vais essayer de l'enchaîner, peut-être. Ce serait cool. En gros, faut juste que j'essaie de lui gratter certains pourcentages. Vu qu'en ce moment, j'ai l'avantage du... Que lui, il faut qu'il m'éjecte. Voilà, il vient de m'éjecter, c'est sûr. Et ben, en gros, tout simplement, quand t'as le désavantage des pourcentages, c'est t'essaies juste de gratter certains petits pourcentages sans te faire éjecter, quoi. Là, je sais pas pourquoi il y a vraiment peur de moi, quoi. Il est comme en mode, genre... Bam! Je pensais que je pouvais l'enlever. Non, mais sérieusement, arrête de spammer ce truc, s'il te plaît. Bon, ok, il joue le grab. Enfin, peut-être. Et boum! Non. J'ai quasiment fait le fou, hein. Essayez de faire un spike, like a boss, motherfuckers. On va essayer de jouer le mind game, peut-être. On va essayer de faire un peu de mind game. Oh non, j'aurais pu. Sérieusement, c'est juste que Merde, ça me propulse un peu. Il y a des trucs aussi que je connais pas trop. Oh, s'il te plaît, tu vas pas me lancer par là, hein. Il y a vraiment des enchaînements que je devrais connaître, entre guillemets. Non, mais sérieusement, tu me saoules à faire des esquives latéraux. J'aurais dû juste attendre. Et voilà. Ok, bon, j'ai tellement pris mon temps là-dessus. Mais c'est surtout... Quand tu y penses, c'est du mind game. C'est dans un sens, c'est juste que tu essaies de bien analyser l'ennemi au début. Et d'essayer de comprendre comment il joue pour par la suite faire peut-être des bons moves. Et là, je sais pas s'il va rester. S'il reste, je vais prendre Mart. Ok, ouais, il reste, donc on va prendre Mart. Je vais mettre en blanc, parce que je l'aime bien en blanc. Mais comme je vous dis, c'est du mind game. C'est... Tu commences à saisir l'adversaire, savoir certains moves qu'il fait. Et plus qu'il fait certains moves, plus que tu sais qu'est-ce que l'anticiper. Que tu sais qu'il fait tout le temps des roulades, par exemple. Ben, à un moment donné, tu sais que, par exemple, faire un grab ou des trucs comme ça, il faut que tu essayes de bien le placer. Parce qu'il fait tout le temps des roulades latérales. C'est parti d'une conquête. Oh là là. C'est trop bien, la conquête. Trop bien la conquête. Merde, j'aurais dû essayer de le spike, ça aurait été tellement drôle. Mais s'il te plaît, arrête de faire des espèces d'esquives latérales juste comme un con, s'il te plaît. Voilà. Sérieusement, il me saoule à faire juste ça. Voilà, on va voir c'est qui le meilleur. Je vais arrêter de te dasher dessus. Juste te laisser que c'est toi qui m'arrive dessus la gueule. Hein. Regarde, viens. Allez, viens. Voilà, merci, t'es con. C'est ce que j'ai à dire, voilà. Et là, bam! Et voilà le spike, lui! Est-ce qu'on fait un petit taunt des familles, juste pour le taunt? Allez, le petit taunt des familles. Et voilà, le taunt, je viens de l'agacer. Je viens de l'énerver, là. C'est sûr et certain que je viens de l'énerver. Et voilà, oh, ça aurait été tellement beau. Attendez, on va essayer de faire un petit truc. Trickshot Call of Duty, et voilà le Mind Games. Et voilà! Se prend pour qui?
Il se prend pour qui? Voilà. Bon, je pense que je vais utiliser juste la fameuse technique du « je vais pas te dasher dessus, je vais te laisser toi faire le mec agressif, parce que t'as besoin de prendre avantage sur le match. » Donc bon, c'est qu'est-ce qu'on va se concentrer un peu. Hein. Parce que disons que j'ai pas vraiment besoin de me forcer. Attendez, on va essayer. Oh, la petite esquive qu'il a faite là. Là, il s'est vraiment dit « je veux pas me faire spike ». Il a quand même bien réagi hein, là-dessus. On va pas se cacher. Bon là, il aurait pu tellement me contre-attaquer, il l'a pas fait. Voilà, petit mind games ici. Hop. Et attention. Oh, est-ce qu'on essaie un coup final? Oh, on aurait pu essayer peut-être un truc. Mais bon, je vais y aller en mode un peu plus posé. Voilà, fini. Ah, pas encore. Ah oui. Ah non, même pas. Bah oui. Faut jamais trop essayer de sauter pour revenir sous le rebord parce que tu peux tellement arriver rapidement et faire un truc comme ça, assez facilement. Bon, je lui ai montré ma supériorité quand même. J'ai montré que j'avais une grosse bite. Voilà. Mais ça faut pas le dire, pas trop fort. Quand même, c'est un secret entre nous. Entre moi et vous. Il faut pas le dire. Bon, je vais y aller avec Ness, j'en dis. J'ai envie de faire le jour de mec, tu sais, par exemple, j'ai déjà joué à un moment donné, je pense que c'est sur la 3DS. Le mec, il ne jouait que Didi, parce que Didi, c'était un putain de perso OP. Et tout le monde jouait Didi, et il faisait tout le temps la même chose. Et sérieusement, ça m'a tellement saoulé pour la gore. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté vite fait sur la 3DS, parce que tout le monde prenait le même perso, il jouait tout le temps le même perso non-stop. Et là, ce mec, il est sympa quand même à changer de perso à pu faire quand même, hein, parce que jouer à la longue, toujours le même perso, bah, c'est saoulant. Hein. Faut pas se cacher. Attendez, faut vraiment pas que je fasse le genre de mec qui est pressé de faire des coups. Hein. Bon, on va essayer de peut-être le maîtriser un jour, ça je peux le faire comme ça. Merde, je pensais que je l'avais esquivé. Oh merde, je calcule mal, mais... Non mais sérieux... Je peux rien claquer depuis tantôt. Voilà, merci. J'aurais dû tellement attraper le rebord, ça a été tellement génial. Okay, on va essayer de se concentrer un peu. Mais sérieux, arrête de mettre des trucs comme ça, tu me saoules. Non, ça j'aurais pas dû. Ok. Je pensais tellement qu'il allait faire un autre truc, mais il l'a pas fait finalement. Oh merde, si je l'aurais intercepté, ça aurait été tellement drôle. Non, non. Ok. Non, pas le grab, s'il te plaît. Bon, allez, bon, il fait son petit truc. Oh, le grab! Oh, le grab capitaine. Non, non, s'il te plaît. Ça, c'est triste, mais ça l'a pas touché. J'aurais dû le grab là-dessus. Il va envoyer son truc. Il va faire... Oup! Non, même pas. Merde, je m'en rendais pas. On est quand même en train de bien se placer dans le game. Oh, attendez. J'aurais été plus rapide peut-être. Je suis pas assez rapide sur certains trucs. Non! Je vais l'énerver avec ça quand même. Ouais, allez, je vais le faire chier. Quand même, le mec qui cherche totalement la baston. Non! C'est moi qui viens de faire le con. Bah, allez, je le taunt. Voilà! Home run contest. Je sais pas si je peux renvoyer sa. Merde, c'est pas ça que je voulais. Je peux renvoyer sa. Son. Pas ça. Ça, je sais que je peux pas. Ah oui, je peux! Je peux envoyer tous ces. Attends. Est-ce que ça, je peux l'envoyer? Non! J'ai pas été assez rapide! Et bim! Merde, la boule, elle continue. Ok, bon, je vais arrêter de faire le con. Oh, bon, que ça se rendait pas, ça me... Ok. Je suis trop agressif comparé à l'autre match. Faut vraiment que je me calme côté agressivité. Peut-être jouer plus la carte de la prudence.
Merde, je pensais que j'avais le temps de... Non, 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 non. Je suis chanceux. J'ai pas été assez vite. Soit que j'ai une plus petite portée que lui, ou soit que juste je manque certains coups. Non, sérieux, voir j'étais pris par là, non. Oui! Je l'ai eu, enfin! Merci! Le bat de baseball de NES, c'est tellement le truc le plus cool contre les projectiles. C'est tellement classe! Merci! Je suis fier de mon coup à la fin. Oh, je suis fier de mon coup. Oh, le mec doit être tellement deck, je suis sûr qu'il va quitter. Ah non, même pas. Bon, ok.